C'est un loup dans la bergerie. C'est-à-dire que ce sont des armées étrangères qui se sont servies des fils de ces pays comme mot de passe pour entrer dans notre pays, occuper notre pays. Donc, que le pays est occupé conformément à la Convention de la Haye de 1907. Réveil de la conscience politique du peuple. On ne leur parle pas de ça. Pourquoi ? La réponse, elle est toute simple. Le personnel politique congolais, c'est des domestiques des multinationales. Le personnel politique congolais, c'est des domestiques des multinationales. Propriétaires de ces pays, détenteurs du pouvoir primaire, ces gens allaient se lever et parler. Et lorsqu'on se lève, on fait élever son peuple, on avance avec son peuple, aucune armée au monde, je dis bien aucune armée au monde, n'a jamais vaincu une population ou un peuple déterminé. Je dis bien aucune armée au monde n'a jamais vaincu une population ou un peuple déterminé. D'abord, il y a un problème de déficit d'éducation civique. Les gens ne savent pas ce que c'est qu'un pays, qu'est-ce que ça représente pour eux. Eux, très rapidement, pour avoir un peu chanté, pour s'être trémoussé de façon, entre guillemets, un peu ridicule sur un podium, on a une villa, on voyage, on a de belles voitures, et si on est un garçon, on a toutes les jolies filles à ses pieds. Les gens, ils ne comprennent pas. Ailleurs, lorsqu'un musicien devient riche, c'est l'autre n'est pas, je vais dire, il n'est pas extrêmement pauvre. Il a le minimum vital et surtout la sécurité et ses droits en tant qu'homme sont respectés. Donc, Jean-Pierre Bemba a été arrêté pour crime de guerre et crime contre l'humanité commis par ses troupes en République centrafricaine. Donc, il fallait déjà prouver que cette responsabilité hiérarchique était établie. La République démocratique du Congo vit des grands enjeux politiques et en décembre 2018, il est prévu qu'il y ait des élections. Aujourd'hui, je vais poser quelques questions à mes invités, de sorte que nous puissions savoir quel est le poids de certains acteurs politiques? Est-ce que l'opposition est-elle fiable? La République démocratique du Congo, c'est un pays très riche. Il y a de grands enjeux économiques sur le plan international. Et puis, on va parler de l'opposition congolaise en exil. Kérine Marizo, bonjour. Et à tous mes invités, bonjour aussi. Bonjour. Vous allez réagir par rapport à mes questions. La première question est simple. Bemba est sorti de prison. On a vu, quand il est rentré au pays, une foule de gens, c'est à peu près la même foule qu'élu d'EPES, je dirais, je ne provoque pas, mais c'est ce que j'ai vu. Est-ce que Bemba a-t-il un rôle à jouer maintenant qu'il est exclu de ce processus électoral dans ce pays-là? Déjà, le nom Bemba, ça évoque quelque chose. Donc c'est une famille qui a toujours eu déjà un rôle à jouer sur le plan économique, sur beaucoup de plans. On ne peut pas servir son pays que politiquement. On peut le servir dans tous les domaines. Et même si le Congo est ce qu'il est devenu, un non-État, je pense que le jour où l'État sera réhabilité, les hommes d'affaires ont leur carte à jouer. Et Jean-Pierre Bemba est un homme d'affaires, il a une carte à jouer. Alors, si votre question c'est, est-ce qu'a-t-il un rôle, aura-t-il un rôle politique à jouer ? Politique, oui. Moi, je dis oui. Comment ça peut se faire ? Il y a deux façons de voir les choses. Je vais prendre la deuxième, la moins difficile. La moins difficile, c'est utiliser quelqu'un comme un proxy, mettre sa notoriété, mettre ses moyens sur quelqu'un qu'on va pousser pour que cette personne puisse accomplir le programme électoral ou le programme de gouvernement de Jean-Pierre Bemba. Encore faut-il que Jean-Pierre Bemba ait un programme. Il a parlé d'un programme de 200 pages qu'il a écrit en prison. Moi, je ne l'ai pas encore lu. Alors, si ce programme est bien ficelé, il peut toujours utiliser quelqu'un d'autre pour mettre en œuvre ce programme. Ça, c'est la voie la plus facile. Mais la voie la plus difficile passe d'abord par la résolution de tous les problèmes politiques et juridiques qui l'empêchent de jouer un rôle. Alors, sur ce plan, il a d'abord quelques cartes.
La première carte, c'est au niveau des recours. Nous avons la Commission européenne la Commission africaine des droits de l'homme. Parce que lorsqu'on a suivi un processus juridique au pays qui est allé jusqu'au bout et que l'on semble avoir été victime d'une injustice, on peut aller au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, Cour africaine, pardon, des droits de l'homme, pour essayer d'obtenir réparation. Et dans les cas de Jean-Pierre Bemba, s'il prouve qu'il a une adresse permanente en Europe, qu'il a subi aussi cette injustice en Europe, il peut contacter aussi la Cour européenne des droits de l'homme par rapport à ces dossiers. Parce que l'enjeu de l'affaire, c'est quoi? Jean-Pierre Bemba a été arrêté pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par ses troupes en République centrafricaine. Donc il fallait déjà prouver que cette responsabilité hiérarchique était établie, mais pour le prouver, il faut démontrer que il savait qu'il n'a pas agi. Il a été exonéré par la Cour. La Cour a dit qu'il est innocent. Donc, comme il est innocent, on l'a coincé avec un deuxième dossier, subornation des témoins. Or, si on regarde les statuts des Roms, il y a deux articles différents qui incriminent la subornation des témoins et la corruption. Même si, dans certains cas, la subornation des témoins peut venir par la corruption. Mais il y a deux articles. Si on prend maintenant le code pénal congolais, il y a aussi deux articles qui incriminent les deux infractions, c'est-à-dire subornation des témoins et corruption. Alors, comme le droit pénal, la loi pénale est de stricte interprétation, on l'a condamné pour subornation des témoins, on ne l'a pas condamné pour corruption. Donc, comme on ne l'a pas condamné pour corruption, lorsque la CENI écarte sa candidature pour corruption, c'est une interprétation extensive de la loi pénale. Or, la loi pénale est de stricte interprétation. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que la CENI n'a pas à interpréter la loi. Ce n'est pas un organe d'interprétation. La CENI doit appliquer la loi. Or, la CENI n'a pas appliqué la loi. La CENI a interprété la loi. Maintenant, au niveau de la Cour constitutionnelle, qui devait sanctionner ce que la CENI a fait? La Cour constitutionnelle fait d'abord volontairement une confusion entre subornation des témoins et corruption, ce qui n'est pas déjà normal. Et la Cour constitutionnelle va encore plus loin dans l'erreur. Elle va confondre un jugement, une condamnation définitive à une condamnation irrévocable. Parce que la loi électorale, l'article 10 qui a fait tomber Jean-Pierre Bemba, dit que pour être candidat globalement, pour être candidat à l'élection présidentielle, il ne faut pas avoir été condamné, disons, avoir été condamné de façon irrévocable de chef de crime contre les viols, la corruption. On a cité tout un certain... Mais il parle de condamnation irrévocable. Or, la Cour constitutionnelle confond condamnation irrévocable et condamnation définitive. Quelle différence? Une condamnation définitive, c'est une condamnation qui ne peut plus faire l'objet d'un recours par des voies ordinaires. Autrement dit, une condamnation définitive peut être révocable. Tandis que une condamnation irrévocable, c'est une condamnation qui ne peut faire l'objet d'un recours, que ce soit par les voies ordinaires, que ce soit par les voies extraordinaires. Or, une condamnation définitive peut faire l'objet d'une révision, par exemple, lorsqu'il y a des éléments nouveaux qui apparaissent. Donc, au vu de toutes ces erreurs, et de la CENI et de la Cour constitutionnelle, Jean-Pierre Bemba peut s'en sortir par la voie judiciaire. Et s'il s'en sort, il revient dans le jeu. Et s'il revient dans le jeu, il a toutes ses chances. Le seul ennemi actuel de Jean-Pierre Bemba, à part le pouvoir kabyliste, c'est le temps. Ok. Alors, je voudrais continuer. Vous voulez réagir par rapport à ça? Oui, pour cette question-là sur l'avenir politique de Jean-Pierre Bemba, c'est ça que j'ai compris. Tout à fait. Moi, je peux donner une explication beaucoup plus simple que ça, à mon avis. Si je fais une analyse plutôt politique, moi, je ne pense pas que les carottes sont cuites, comme on dit en français. Moi, je pense que si on a sorti Jean-Pierre Bemba, ça descend. Puisque s'il y a des forces qui se sont mobilisées pour que Jean-Pierre sorte, ça descend. Donc, on va encore le mettre dans la bataille. Et la bataille qui est là, pour moi, elle n'est pas juridique, puisque nous avons affaire à un État voyou. Il y aura toujours
un prétexte quelconque pour l'écarter quand on veut. Mais maintenant, il faut que Jean-Pierre choisisse sa voie. Est-ce que son combat va se faire sur le plan du processus légal qui est en cours, ou il va rejoindre le combat pour la liquidation de la Kabylie et faire les élections après une transition? Je pense que là, il a une carte à jouer. Il a une carte à jouer s'il rejoint la voie de la liquidation de la Kabylie, le combat pour une transition citoyenne, avec sa popularité, d'ailleurs ça se voit, il a quelque chose à porter. Il y a un élément qu'on néglige de plus en plus, c'est que l'élément financier, l'élément diplomatique, les éléments politiques sont des outils dont le peuple congolais ne dispose pas, et notamment la classe politique. Donc, Jean-Pierre Bemba apporte un plus au combat dans ce sens-là. S'il rejoint la société civile, sur le combat sur une transition citoyenne, il a encore des cartes à jouer. Alors, je prends la question par rapport à ce qu'on appelle l'opposition congolaise. Des gens qui ont travaillé avec Kabila, aujourd'hui qui se retrouvent dans l'opposition. On leur donne carte blanche, ils se mettent avec tout le monde, ils arrivent même à haranguer la population qu'ils ont maltraitée à une certaine époque quand ils étaient au pouvoir. Moi, je me pose une question aujourd'hui. Nous sommes dans un processus électoral vicié. Kabila a dit qu'il ne se présentera pas. C'est comme une caution morale. Et probablement, s'il y a élection, les discours, la rhétorique que l'on connaît de nos partenaires internationaux, on a connu quelques irrégularités, mais les résultats n'est pas remis en cause. Donc, on peut toujours aboutir à ce que j'appellerais que le système kabiliste survive. Mais ces gens-là, qui, au nom de pacte politique, ont travaillé avec Kabila, peuvent toujours retourner. Et moi, je me pose cette question-là. Est-ce que le fait d'avoir mis tout le monde ensemble pour qu'on les appelle opposants n'est pas une forme de naïveté politique de ceux qui ont initié cette idée-là de mettre tout le monde ensemble au nom d'une certaine unité de l'opposition? Ceux qui ont mis tout le monde ensemble ne sont pas naïfs. C'est une stratégie de subjuguer un peuple. C'est une stratégie, ils ne sont pas naïfs. Parce que si on regarde le Congo d'aujourd'hui, nous avons deux camps. D'un côté, nous avons le personnel politique, appelons-les par gentillesse la classe politique, qui est compromis, corrompu, toxique, et je suis désolé d'être vulgaire, pourri. Et de l'autre côté, nous avons une population paupérisé des sans-culottes et des sans-dents. C'est ça. On ne peut pas, au niveau de la classe politique, parler de pouvoir et d'opposition. Si on prend la définition technique et simple, l'opposition, c'est quoi? C'est dans un régime parlementaire, ceux qui ont perdu les élections et qui jouent un rôle de sentinelle par rapport à ceux qui sont au pouvoir. Sentinelle par rapport au peuple, du peuple, par rapport à ceux qui sont au pouvoir, en espérant que demain, le peuple souverain primaire dira, vous avez été des bons sentinelles, vous nous avez fait rêver, maintenant c'est à vous d'accéder au pouvoir pour gérer la chose commune, la res publica, la chose commune. C'est ça, au Congo, quelles sont ces élections qu'on a faites, qui sont constitutionnellement légales? Quelles sont ces élections qu'on a faites, qui sont légitimes, desquelles est issue une quelconque opposition? Ensuite, s'il faut définir l'opposition sur le plan idéologique, quelle est l'idéologie de ces gens qu'on appelle pompeusement de l'opposition, qui est différente de ceux qui sont au pouvoir? Parce que là, sur le plan idéologique, comment pensons-nous les Congo de demain par rapport aux multinationales qui nous ont mis à genoux? C'est ça l'idéologie actuelle, on doit réfléchir sur ça. Comment pensons-nous les Congo de demain par rapport à ceux qui ont mis les pays en coupe réglée? Les gens viendront nous dire, voilà, nous allons gérer les pays. Nous allons mettre hors d'état de nuire les multinationales qui pillent les pays. Nous allons, par exemple, déposer plainte pour obtenir réparation. Nous allons établir des partenariats win-win, gagnant-gagnant, avec des multinationales, d'autres multinationales, parce que eux, ils ont les capitaux et la technologie. Nous, on a les matières premières et la main-d'œuvre.
C'est ça, ne fût-ce que sur le plan idéologique, hein, je ne parle même pas de socialistes, républicains et tout ça. Ça, c'est la vision de la politique. Je ne parle même pas de ça. Donc, pour moi, déjà, il n'y a pas d'opposition. Et pire, ou si vous voulez, s'il faut pousser la réflexion un peu plus loin. Lorsqu'on est d'accord que l'AFDEL, c'est le loup, c'est un loup dans la bergerie, c'est-à-dire que ce sont des armées étrangères qui se sont servies de fils de ces pays comme mot de passe pour entrer dans notre pays, occuper notre pays, donc que le pays est occupé conformément à la Convention de la Haye de 1907. Ou, si l'on regarde la résolution 3314 du 14 décembre 1974 sur l'agression, si nous disons que ce pays est occupé, donc dans un pays occupé, on ne parle pas d'opposition. On parle des occupés et des occupants. On ne parle même pas d'opposition. Mais vous n'avez qu'à voir leur comportement. Ils ne tirent pas leur légitimité du peuple. Ils tirent leur légitimité de l'extérieur. Pour un oui ou pour un non, Londres a dit, Paris a dit, Bruxelles a dit. Ils ne font pas de tournées à l'intérieur du pays. Ils préfèrent être vus à New York, à Washington, à Paris ou à Londres. Ces gens-là ne pensent pas au pays. Ils ne pensent pas au pays, ils pensent d'abord à leurs propres intérêts. Déjà, parler de l'opposition, pour moi, je trouve que c'est une erreur de vision, c'est pompeux. Donc, après, leur comportement ne m'étonne pas. Alors, aujourd'hui, le Congo, ce sont aussi des grands enjeux économiques sur le plan international. Oui. On parle de la voiture électrique, oui. Et on sait qu'aujourd'hui, pour fabriquer la batterie de la voiture électrique, on a besoin du cobalt. Et 80% des réserves mondiales se trouvent au Congo. Comment se fait-il que même dans le discours politique, on n'arrive même pas à verbaliser pour que le peuple comprenne ce que vaut les pays sur le plan international en termes d'opportunités économiques? On arrive, et personne n'arrive à parler de ça. Comment, d'autant plus qu'à Kinshasa, quand on se remet dans le rue de Kinshasa, on a ce qu'on appelle le Parlement debout, on voit qu'il y a une certaine culture politique. Depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, les gens sont cultivés. Ils peuvent comprendre les enjeux. Mais comment se fait-il que les hommes politiques ont un discours terre à terre? Nous allons chasser Kabila, nous allons prendre le pouvoir, nous allons lutter contre la corruption. Et personne n'arrive à expliquer ces concepts-là. Je pense qu'ils peuvent encore essayer de... qu'ils peuvent booster ce que j'appellerais ce réveil de la conscience politique du peuple. On ne leur parle pas de ça. Pourquoi? La réponse, elle est toute simple. Le personnel politique congolais, c'est des domestiques des multinationales. Vous savez, cette affaire-là de Congo au centre des enjeux économiques mondiaux, ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous connaissons l'histoire du caoutchouc. Lorsque Dunlop a inventé le pneu, on a fait un génocide au Congo pour l'extraction du caoutchouc. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'uranium est venu de chez nous. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication avec les coltans. Presque 80% des réserves mondiales des coltans se trouvent au Congo. Là, aujourd'hui, on parle du cobalt avec... les enjeux écologiques, la voiture propre et tout ça, les batteries, c'est encore au Congo. Mais la guerre de demain, elle sera climatique, écologique. Un des poumons de l'humanité se trouve où? La plus grande quantité de réserves d'eau douce en Afrique, ça se trouve où? 60 millions d'hectares de terres arables, ça se trouve où? Donc le Congo sera toujours au centre des enjeux. Or, les personnels politiques... n'est pas de bonne qualité. Ces gens-là, c'est des domestiques des intérêts étrangers au Congo. Ils ne dénonceront jamais les intérêts de leur maître. Si nos politiciens, ceux de l'opposition entre guillemets et du pouvoir entre guillemets, c'est-à-dire ceux de la classe politique, étaient pour le peuple congolais, propriétaires de ces pays, détenteurs du pouvoir primaire, ces gens allaient se lever et parler. Et lorsqu'on s'élève, on fait élever son peuple. On avance avec son peuple. Aucune armée au monde, je dis bien aucune armée au monde, n'a jamais vaincu une population ou un peuple déterminé. Aucune. Vous savez, vers les années 60, les Lumumba avaient compris l'ennemi du Congo, c'était qui? C'était le grand capital. Hein, le monde financier, le grand capital. Il les a dénoncés. Il est mort. Ok. Mais vous pensez que s'il y avait 5 Lumumba à l'époque, ils allaient tuer tout le monde? Ils allaient tuer tout le monde. Si toute la population s'était levée derrière Lumumba,
qu'il n'y avait pas des gens tels que les Tchombé au Katanga, qu'il n'y avait pas des gens tels que les Kalonji, pendant qu'on cherche à constituer un grand ensemble puissant. Lui, il pense à son empire du Kasaï. Tchombé pense, je ne sais pas, à son Katanga indépendant. Monsieur Thurin, si à la place Tchombé était un Lumumba bis, et que Kalonji était un Lumumba bis, et que Kizenga était un véritable révolutionnaire, et j'en cite d'autres, aujourd'hui le pays serait indépendant. Et un pays qui avait sa carte à jouer dans les concerts des nations, dans le rendez-vous du donner et du recevoir. Donc la réponse, elle est toute simple. Notre personnel politique, c'est des domestiques du grand capital qui bossent contre les intérêts de la population congolaise. C'est ainsi que j'ai dit qu'ils sont toxiques et corrompus. Alors, il existe dans la diaspora ce qu'on appelle les phénomènes combattants, une certaine ébullition politique. Mais moi, ce que je note comme paradoxe, par exemple, on a vu des Congolais par milliers à Paris pour empêcher les concerts d'un musicien, un jeune musicien qui chante bien, qui méritait notre soutien à mon humble avis, parce que on les accuse entre guillemets tous les musiciens de connivence avec le pouvoir. Mais des gens qui étaient avec Kabila, qui ont travaillé avec Kabila, Mouzito par exemple, je le cite, premier ministre de Kabila, qui deviennent opposants et qui arrivent ici en Europe, les mêmes personnes qui critique Kabila, lui déroule le tapis rouge pour qu'il nous fasse des cours d'économie. Comment expliquer ce paradoxe-là? On a un monsieur qui a travaillé avec Kabila, donc ça veut dire que c'est lui qui est redevable directement vis-à-vis du trésor public congolais parce qu'il est devenu riche avec l'argent du Congo, qu'il a volé. Gécoco a fait des émissions et des émissions à une certaine époque quand il s'est révolté à un moment donné contre Mouzito, où il a démontré tout ce qu'il a comme résidence et qu'il a acquise depuis qu'il était Premier ministre. Et puis le même Mouzito arrive aujourd'hui, il fait des leçons aux Congolais d'ici qui sont en ébullition contre des pauvres musiciens qui n'ont jamais été ministres dans ce pays-là, qui n'ont jamais signé des arrêtés quoi que ce soit pour se faire des millions sur le dos du peuple. Et c'est ces musiciens-là qui vivent une certaine fatwa, je dirais, ils ne savent pas se produire ici. Et les politiciens qui étaient avec Kabila, les Kamitat ou les autres, ils se pervanent carrément, tranquillement ici en Europe pour faire des leçons de bonne gouvernance alors qu'ils ont été dans ce que j'appellerais l'infamie qui se vit dans ce pays. Comment expliquer ces paradoxes-là? Qu'est-ce qui nous arrive, nous, pour que nous en arrivions à tolérer des choses comme ça? Ma réponse sera une ébauche de réponse. D'abord, il y a un problème de déficit d'éducation civique. Les gens ne savent pas ce que c'est qu'un pays, qu'est-ce que ça représente pour eux. Nous sommes victimes de certains antivaleurs. Donc les gens ne savent pas que ce pays, c'est leur pays, et que Mouzito n'était qu'un premier ministre, c'est-à-dire un premier serviteur qui devait être là au service de la population. Donc, pour faire court, les gens voient les musiciens. Ils ne comprennent pas comment est-ce que nous coupissons tous dans la misère, et très rapidement, pour avoir un peu chanté, pour s'être trémoussé de façon, entre guillemets, un peu ridicule sur un podium, on a une villa, on voyage, on a de belles voitures, et si on est un garçon, on a toutes les jolies filles à ses pieds. Les gens, ils ne comprennent pas. Ils se disent, bon, nous sommes tous dans la misère, nous, on essaye de bosser très dur, on envoie de l'argent au pays, lui, il suffit qu'il chante, qu'il bouge un peu, bon, il est riche. Ils ne sont pas les premiers à le faire. Il y a d'autres musiciens à travers le monde qui le font aussi, qui deviennent riches. Donc, on n'a pas à leur en vouloir. Ils dansent, ils chantent. C'est leur boulot, en fait. Ça se fait depuis la nuit des temps. Je ne suis pas en train de remettre en cause le fait que ce soit leur boulot. Mais ailleurs, lorsqu'un musicien devient riche, si l'autre n'est pas, je vais dire, il n'est pas extrêmement pauvre. Il a le minimum. Il a le minimum vital et surtout la sécurité et ses droits en tant qu'homme sont respectés. Donc, les Congolais, déjà, sociologiquement, ils ne comprennent pas comment eux, ils deviennent riches et les autres sont dans la pauvreté la plus totale. Ça, c'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène, c'est que les méfaits qu'ont commis ces musiciens au niveau de la diaspora, c'est-à-dire, chaque fois qu'ils venaient en voyage, ils ont touché l'argent pour faire voyager les gens. Les gens n'ont pas voyagé. Il y en a beaucoup qui sont restés au Mali, au Nigeria, au Cameroun. J'ai dit par milliers. Hein, quand on prend tous les musiciens, tous les groupes, il y en a par milliers dont les vies ont été brisées dans certains pays africains et qui ne peuvent plus venir en Europe.
Leurs parents, leurs familles ont perdu beaucoup d'argent chez les musiciens. Premier fait. Deuxième fait, beaucoup de gens ont payé ces musiciens pour des dédicaces, des sommes exorbitantes pour des gens qui travaillent dur ici. Ils n'ont jamais entendu leur dédicace. Pour eux, cette dédicace-là, c'était le seul moment de reconnaissance qui leur donnait l'impression d'exister. Donc, il y a eu aussi un détournement de l'argent. La troisième des choses, ce sont ces musiciens qui se sont livrés à l'immoralité, c'est-à-dire que, bon, ils ont pris beaucoup de femmes, ils ont pris beaucoup d'enfants, ils ont fait beaucoup de dégâts. Alors, pour le commun des mortels, ils sont faibles, ils ont fait tout cela, on peut les taper plus facilement. Tandis que ceux de la classe politique sont dans un piédestal. Ah, ils ont dirigé le pays, c'est des grandes personnalités, c'est des intellectuels, ils sont mis dans un piédestal. Alors, c'est le rôle des médias, des éducateurs, des leaders d'opinion, d'éduquer la population en leur disant, autant vous vous estimez en droit de demander des comptes aux musiciens, autant vous devez en faire autant, plusieurs fois d'ailleurs, vis-à-vis de la classe politique, parce que c'est eux les véritables causes de votre malheur, c'est les véritables causes de votre misère. C'est une ébauche de réponse, je dis, ce n'est pas une réponse complète, mais voilà quelques éléments pour expliquer ces phénomènes. Alors, Kérouine, je d'ailleurs, vulgairement, on dit attaquer les côtés les plus pétés. Merci pour cette ébauche de réponse. Je pense que ceux qui nous suivent peuvent aussi creuser la réflexion pour que voilà, nous puissions trouver des thérapies qu'il faut pour que nous puissions vraiment infliger à chacun selon ce qu'il a causé comme tort au pays. Donc moi, je pense que je m'arrête là. Je te remercie d'avoir accepté que nous puissions échanger sur ces quatre questions qui sont primordiales. Je pense qu'ils pourraient relancer les réflexions dans les cercles des Congolais de l'étranger qui réfléchissent comment faire pour essayer de reconstruire l'homme congolais. Lorsque l'État faillit, tout faillit. On n'a pas de politique culturelle, on n'a pas de politique économique, on n'a pas de politique sécuritaire, on n'a pas de politique... sur la jeunesse, on n'a pas de politique. Oh, parce que l'État a failli. Un concours littéraire, c'est la politique culturelle. Mais comment mettre en place une politique culturelle si l'État a failli? Aussi simple que ça. Voilà, réhabilitons l'État et après on aura un cinéma digne de ce nom, on aura un circuit de production musicale digne de ce nom, on aura un circuit de production des arts plastiques digne de ce nom, on aura une télévision, une radio digne de ce nom, on aura une production artistique en général ou une production littéraire digne de ce nom, réhabilitons l'État. Merci Kérouine Maïzo. J'ose croire que nous aurons d'autres opportunités de nous revoir. Ça, c'est la deuxième fois. Je pense qu'il y aura une troisième, quatrième, peut-être une centième fois. Peut-être la prochaine fois, peut-être vers la 80e ou bien 90e fois, on sera à Kinshasa. Toi, ministre de la Culture, peut-être moi, activiste culturel, et nous discuterons. Que Dieu vous entende. En profondeur de cette question. Donc, moi, je remercie la Convention de Congolais de l'étranger de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir m'entretenir avec Kérouine Maïzo. Je remercie Mme Chimini, M. Bafoua, M. Kamba. J'ose croire que voilà, nous essaierons de faire toujours de notre mieux pour que ce pays-là que nous aimons tous puisse mériter une thérapie qu'il lui faut afin de le sortir des ornières, de la pauvreté spirituelle, intellectuelle, matérielle, tout. Donc, réveiller ces pays-là. Merci. Merci à Monsieur Mabiala pour tout ce que tu nous as apporté. Et j'apprends quelque chose aujourd'hui, c'est que tu es écrivain. J'aurais voulu venir voir, mais je crois que la prochaine fois, en tout cas, invite-moi et puis je viendrai voir tes œuvres. Volontiers. 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 Merci aussi à Monsieur Maïs. En tout cas, c'est toujours un plaisir.